évident que tu fais ça. King. Oh, 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 darling. Ouh. Oh, putain. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, petite vidéo histoire, purement documentaire. On va parler des fusils de rempart et en particulier de cette bébête-là, le rempart 1831. Juste comme ça, petit préambule quand même. Ça, c'est pas un fusil de rempart. Ça, c'est un putain de tromblon et ça m'agace un petit peu quand on colle des mots sur des choses sous prétexte que ça fait bien. Fusil de rempart, c'est une définition très carrée. Alors, avant d'essayer de comprendre l'arme, il va falloir comprendre à quoi elle sert. Et pour ça, je suis désolé, il va falloir utiliser des mots compliqués. On va faire un petit peu de polyorcétique. C'est la science des sièges. Bon alors, ils sont prêts, pourquoi ? Pour le fauteuil, voilà. Non, pas les fauteuils, ces sièges-là. Non, pour le siège, nous sommes prêts pour le siège. Pour le siège ? La sape, c'est une méthode de siège qui consiste à détruire une fortification ennemie en attaquant les fondations d'une muraille, d'une forteresse ou d'un château. C'est comme pour conclure, il vaut mieux dessaper la meuf avant. Pour ça, diverses méthodes existaient. La plus ancienne consiste à s'approcher du pied de la muraille en creusant des tranchées d'approche. On creuse un trou une fois qu'on est arrivé sous le mur, le trou est bourré de matière inflammable, on fout le feu au tout, on affaiblit le mur, on provoque son effondrement, et donc une brèche par laquelle l'assaut pouvait être mené. Les sapeurs, une fois arrivés au pied du mur, pouvaient aussi creuser un tunnel étayé par du bois. Une fois tout ça fait, ils foutaient le feu aux étais, ça privait la galerie de soutien, qui s'effondrait, et elle entraînait bien entendu le mur avec elle. Sous l'impulsion de Pedro Navarro, on eut l'idée, plutôt que de juste mettre le feu, ce qui pouvait donner des résultats un peu aléatoires, d'utiliser de la poudre, puis des explosifs un petit peu plus élaborés, ce qui donnait évidemment de meilleurs résultats. Si la sape était bien faite et surtout au bon endroit, la muraille s'effondrait à coup sûr, créant donc la fameuse brèche. Pierre Dévot de Cernay raconte par exemple, je cite, « Lors du siège de Carcassonne pendant la croisade des Albigeois, après que les pierrières ont endommagé le couronnement des murailles, nos sapeurs ont réussi avec beaucoup de difficulté à approcher près du pied des murailles une charrette à quatre roues, couverte de peau de bœuf, fraîche donc ininflammable, à l'abri de laquelle ils ont commencé à saper les murs. » Que ce soit au siège de Carcassonne ou ailleurs, les défenseurs luttaient évidemment contre la sape en envoyant toutes sortes de projectiles sur la tronche des sapeurs. En effet, généralement, une sape qui réussit, c'est la fin du siège. Les défenseurs n'ont plus rien pour se planquer, et donc ils doivent faire reddition. Seulement voilà, la plupart du temps, le terrain est un petit peu compliqué. Il y a de la terre, il y a des cailloux, et les cailloux, ça fait mal aux doigts. Creuser un tunnel aussi long entre l'endroit où on picole en se marrant et l'endroit où ça pue du cul et où on s'envoie des vaches malades en travers de la courge, c'est difficile un petit peu. Du coup, la plupart des tunnels de sape sont en fait des tranchées. Au fur et à mesure qu'on creuse, on remplit des paniers de terre et de gadins et on se les pose au-dessus de la tête. Les paniers ayant un diamètre plus large que la section de la tranchée, eh ben c'est comme un toit qu'on se pose, sauf que les tuiles, ben on les récupère au fur et à mesure qu'on avance. D'autant que ça élimine un problème bien connu des mineurs, c'est l'évacuation de la terre. Il y a eu plusieurs utilisations de la sape au cours de l'histoire, dont certaines très connues. Étant donné que la technique est connue depuis l'Antiquité, l'historien grec Polybe explique par exemple comment se déroulent les opérations de sape lors du siège d'Ambracia par les Romains. À Dura Europos, les fouilles franco-américaines ont mis à jour les tunnels de sape et de contre-sape creusés par les assaillants perses sassanides et les défenseurs romains sous le rempart de la ville en 256. Plus tard, le principe de la sape est utilisé par les musulmans au XIIe et au XIIIe siècle, dans le cadre des croisades, puis lors du premier siège de Vienne en 1529, lors du siège de Maastricht en 1632, et évidemment lors du second siège de Vienne en 1683, puisqu'ils s'étaient vite rendu compte que c'était efficace. Évidemment, la technique ne s'arrête pas à l'époque moderne. Durant la guerre de sécession, notamment pendant le siège de Petersburg, les troupes de l'Union creusent un tunnel sous les lignes confédérées et les emplissent de grandes quantités de poudre.
L'explosion tue plus de 300 soldats, et elle aurait pu être décisive si l'assaut avait été donné en passant sur les côtés du cratère et pas en plein milieu. Parce qu'évidemment, une fois au fond du cratère, les mecs se sont retrouvés bloqués et les défenseurs les ont pulvérisés. Pour la petite anecdote, on appelle cet épisode la bataille du cratère. Encore plus tard, la SAP a connu sa dernière brève réhabilitation pendant la Première Guerre mondiale. Le génie militaire, probablement fan de barbecue Tex-Mex, décide en effet de creuser de grandes galeries sous le No Man's Land pour arriver sous les tranchées adverses, les bourrer d'explosifs et les faire sauter par en dessous. Comme dans la guerre de siège, la SAP était rendue possible évidemment par la nature statique du combat. Elle n'était dédiée qu'à créer un trou, une possibilité d'entrer, de donner l'assaut à travers une ligne fortifiée. D'après les témoignages de l'époque, des explosions absolument sidérantes pouvaient avoir lieu, la terre se soulevait, ça obscurcissait le ciel, et évidemment ça foutait les fouets aux plus courageux. Faut dire que quand on se dit à tout moment que le sol peut vous péter à la tronche, ça aide pas. C'est gentil normalement le sol. Il y a du gazon, il y a des coccinelles, des parties de pétanque. Là, il y a plutôt Massacre à la tronçonneuse version Semtex. Avoue quoi, une idée de ce genre creusant un cratère de plus de 25 mètres de profondeur et de 100 mètres de large. Un autre exemple percutant, c'est celui de Messine Ridge sur le front belge, sous laquelle 450 tonnes d'explosifs ont été placées dans 21 galeries pendant 2 ans. 10 000 soldats allemands ont été tués dans l'explosion des 19 premières galeries. La 20e a explosé toute seule comme une grande des années plus tard, et la 21e n'a jamais explosé. Quand je vous dis que les explosifs, c'est pas des blagues. Alors, vous vous dites qu'on va enfin pouvoir parler de ce monstre que je vous tease depuis tout à l'heure, mais non. Je m'y refuse tant qu'on n'a pas encore parlé de son prédécesseur, le fusil de rempart modèle 1828. Le principe même d'un fusil de rempart, c'est une arme complémentaire de l'artillerie, destinée à ne servir que sur des points fixes. D'une longueur de canon d'1m30 et d'une longueur totale d'1m69, le fusil de rempart modèle 1828 affiche un calibre de 21 mm et un poids d'environ 10 kg, ce qui en fait une sacrée bonne bestiole. Tout comme son successeur, le modèle 31, le fusil de rempart modèle 1828 se charge par la culasse. Le tonnerre se sépare du canon et la charge s'y introduit par sa tranche antérieure. De par la très grande longueur du canon, il a bien fallu trouver un moyen de chargement qui soit différent des fusils classiques dits de munitions. Et pour ça, on utilise donc une culasse mobile, bloquée à l'arrière par un coin. Le principe est très ancien, puisqu'on le retrouve aussi sur des pièces d'artillerie du XVe siècle. La culasse était totalement mobile sur ces pièces-là, ce qui permettait d'en préparer plusieurs d'avance, et donc le tir était accéléré. Ici, la chambre n'est que semi-mobile, dans le sens où elle ne se meut que d'avant en arrière et pivote verticalement pour le chargement. Ce sont des pivots qui l'empêchent de sortir totalement. Le canon est carabiné à 12 rayures rondes, qui suivent bien entendu une hélice, et qui font un tour et demi dans la longueur du canon, c'est-à-dire 1m30. Le tonnerre est creusé d'une chambre conique, le canon est brasé sur la boîte qui enveloppe sa partie inférieure. Cette fameuse boîte contient, à la suite du canon, le tonnerre mobile, et ce qu'on appelle le coussinet, c'est-à-dire le coin qui lui sert d'appui, et qui, contrairement au modèle 1831, n'était retenu que par un petit ressort, et s'actionnait uniquement grâce à un tout petit levier sur le dessus. Dérivé donc du fusil de rempart modèle 1828, le 31 en garde à peu près l'aspect extérieur. Il ne s'en différencie que par le système de mise à feu qui est à percussion alors qu'avant il était à silex, le levier de verrou beaucoup plus long qui se verrouille sur le côté et qui bascule de gauche à droite, le boîtier est ouvert sous le tonnerre par une fente longitudinale que vous voyez, faite pour laisser en fait passer les grains de poudre, les corps étrangers et également pour permettre en cas de problème au gaz de s'y répandre. Sous le boîtier se trouve d'ailleurs une vis qui permet le réglage du débattement du tonnerre. Juste à l'avant du tonnerre se trouve la hausse qui permet donc sur sa petite partie le tir à 200 mètres et une fois relevé, le tir à 400 mètres. Concernant la monture, eh ben, le bois n'est utilisé que pour la crosse, qui reste absolument classique, tout le reste étant métallique. Alors, il faut savoir que concernant le fusil des remparts, dès 1818, le ministère de la guerre avait chargé le comité central de l'artillerie de mettre au point un fusil devant avoir plus de justesse, plus de force, plus de portée que le fusil ordinaire de l'infanterie. Le fusil de rempart a été utilisé dans l'attaque et la défense des places fortes, globalement du 16e jusqu'à la fin du 19e siècle. Ces évolutions ont été à peu de choses près les mêmes que ceux des fusils de munitions, c'est-à-dire des fusils d'infanterie classiques. Par exemple, un canon rayé à partir de 1820, une platine à percussion à partir de 1831. Globalement, ce sont les mêmes évolutions que les fusils classiques. Les essais durent plus de 10 ans. La première phase des essais porta sur le canon pour en déterminer la longueur et le calibre. 9 canons dont la longueur variait de 1m20 à 1m60 et le calibre de 4,8 à 12 balles à la livre furent testés à Vincennes, le résultat de ces expériences se concluant en 1821 par le choix d'un canon de 1m30 et utilisant une balle de 8 à la livre, c'est-à-dire 22,6 mm.
Lors des derniers essais de la seconde phase qui portait sur le blocage du tonnerre, il avait déjà été constaté le peu de précision de l'arme, et pour y remédier, on a décidé de rayer le canon. À savoir que la rayure ronde à pas de 1,5 fois possède également une inclinaison progressive du tonnerre à la bouche. Les essais sur ces rayures-là étant convaincants, on a décidé de les garder. Finalement, en 1827, l'arme est considérée comme étant à peu près au point. Le comité conclut par un rapport très optimiste en mai 1828, et le ministre de la guerre, par décision de juin 1828, adopte ce type d'arme dont 100 exemplaires sont aussitôt commandés à la manufacture de Charleville. À savoir que c'est également la manufacture de Charleville qui avait déjà réalisé tous les modèles d'essai. A noter aussi que, comme on est avide de toute occasion chez les militaires, hein, le fusil de rempart a aussi pu occasionnellement servir à neutraliser des objectifs prioritaires, des servants d'artillerie, des officiers, bien au-delà de la portée conventionnelle des armes à feu. Leur efficacité dans le domaine, réelle ou supposée, hein, était toutefois si grande que même Vauban imposa à ses officiers le port du corset d'armes et du pot en tête. C'est très poétique, c'est la cuirasse et le casque, qui viendront d'ailleurs plus tard les emblèmes du génie. Malheureusement, le fusil de rempart modèle 1828 est une arme assez médiocre, et c'est pas l'adoption de la platine à percussion pour le modèle 31 qui remédiera à son manque de précision. Ces 10 années d'expérience du comité d'artillerie aboutiront en fait à une arme qui trouvera sa meilleure utilisation des années plus tard après la fin du 19e siècle, comme canardière ou comme lance-amarre, ce qui était certainement pas prévu par le programme ministériel. A l'époque, le fusil se tire en étant soutenu. Pour charger, on soutient la crosse de la main gauche, de la droite on saisit donc le double crochet pour faire glisser le tonnerre, on déchire la cartouche, on verse la poudre dans la chambre, à savoir que la charge normale à l'époque c'était 8 à 10 grammes, certaines charges de guerre montaient jusqu'à 15, on met la balle entourée dans son papier par-dessus, on referme le tonnerre et on amorce, soit avec une poire à poudre pour le modèle 1828, soit avec une grosse amorce pour le modèle 1831. En principe, un seul homme utilise l'arme. Elle doit être nettoyée tous les 50 coups, et théoriquement à l'époque, on estimait qu'elle devait résister à environ 2000 coups. Le tir sur une cible carrée de 2 mètres de côté donnait 2 tiers des coups à 200 mètres dans la cible, 1 huitième des coups à 400 mètres, et 1 47ème à 600 mètres. On constate évidemment que la précision est un peu insuffisante. Sous un angle d'un peu plus de 3 degrés, correspondant au tir à 600 mètres, la balle peut ricocher et porter jusqu'à 1000 ou 1200 mètres. Jusqu'à 600 mètres, la balle traverse deux planches de sapin de 27 mm, à 100 mètres, elle en traverse 10, mais ça reste insuffisant pour traverser les gabions pleins ou les sacs de terre qui sont posés, comme je vous l'ai expliqué juste avant, au sommet des tranchées. A noter qu'entre 1728 et 1828, soit 100 ans, il n'y a pas eu de fusil de rempart. Les armes qui possèdent des caractéristiques équivalentes, par exemple au système 1754, 1763, 1777, etc., etc., en neuf, ne comportent pas de gros fusils réglementaires. Certains, effectivement, de ces gros fusils présentent des caractéristiques de ces systèmes, mais ils ne sont pas officiels. Malgré tout, ces gros fusils, comme on disait à l'époque, pourront être appréciés très ponctuellement, notamment par le maréchal de Saxe, qui fera réaliser entre 1743 et 1744 200 de ces grands fusils à Charleville, connu sous le nom à l'époque d'amusette. Ce type d'arme ne sera pourtant pas utilisé à cette époque-là, hormis peut-être dans la marine, étant donné que son poids et son encombrement la rattachent plutôt à l'artillerie légère qu'à l'infanterie. A noter que le fusil de rempart modèle 1828 est la première et la dernière arme réglementaire à silex et à chargement par la culasse. Peu diffusé, malheureusement, le principe des fusils de rempart à chambre mobile sera peu à peu abandonné pour relaisser place à des fusils plus classiques, les fusils de rempart du modèle 1840 et du modèle 1842, qui seront à chargement par la bouche et donc à canon plus court. Tombé en désuétude, le concept d'un fusil de très grande portée dédié au traitement de cibles beaucoup plus éloignées sera repris au cours de la Première Guerre mondiale avec l'introduction des fusils de précision et surtout des fusils anti-chars. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est d'ailleurs surtout le développement du combat en milieu urbain qui a généralisé le recours aux fusils de très gros calibre et qui leur ont conféré un rôle technique plutôt important. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce petit 1831 de rempart, et quand je dis petit, vous avez tous compris que c'est ironique. Si vous avez aimé cette vidéo documentaire, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, commenter, partager, abonnez-vous, faites-la tabasser. C'est un petit peu compliqué à faire pour ne rien vous cacher, ce genre de vidéo, pour moi qui suis habitué à juste improviser face caméra et advienne que pourra. Je ne sais pas non plus si je tirerai un jour avec cet exemplaire. Ce qui est sûr, c'est que comme vous pouvez le voir, je l'ai ramené à la maison, puisque ça fait vraiment partie de ces armes assez peu recherchées, mais rares tout de même, et d'un mécanisme vraiment très original, à la pointe de ce qu'était la réflexion en termes d'armement à cette époque-là. Et c'est exactement ce que je trouve intéressant dans l'histoire, et dans l'histoire de l'armement en particulier. Voilà, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien,
mangez des légumes, buvez de l'eau, et n'essayez pas de manger dès 1831, vous allez vous faire mal aux dents. Allez, ciao. Voilà, je vous dis à très bientôt, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ne sucez pas de 1831, ce serait dommage, vous n'avez pas la mouche assez grande. C'est quoi cet outro là, je te jure. Eh ben vous pouvez me croire les gars, il se mérite ce putain de Landskron. Ah la vache, ça grimpe hein. Ok. Ouais, c'est un petit morsif. Hein. C'est beau, la vache. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est de la porte. Ça, c'est du putain de mur, surtout. Ça y a encore les bouts de moulure. T'as le mec qui a fait le tout petit bout de machin qui reste là. C'est un fou. Alors ça visiblement c'est l'endroit où tous les tireurs veulent être. J'ai envie hein. Là vous en trouviez des tonneaux de PNF2 là. Un bout de tour là derrière. Et un puits. Ouais. Puis il a été creusé par Monsieur Bayer. C'est fou ça. 600 ans, 700 ans après, on se souvient encore de ton blast pour avoir creusé un puits. C'est dingue ça. Nous voilà dans le grand bastion. Quel escalier qui monte là. Putain, regardez ça. Vous voyez là le mec qui avait pour tâche de défendre ça. Il se levait le matin, il voyait ça. Vous entendez l'église là au fond. Putain, dans 5 minutes, on se fait attaquer par les Suisses. Là. En fait, c'est le tocsin qui sonne, faut aller chercher les fourches et aller dégommer du Suisse allemand. Et les vaches, là. Putain, qu'est-ce que c'est beau ça, mais on se croirait dans les Alpes bavaroises. Ça veut dire qu'il y avait un. Cet endroit-là, là, il y avait un plancher. Des inscriptions. 1554, je suppose. Oh, putain, encore des marches, la vache. Oh, sa merde, pute. Ok. Là, on est au pied de la tour carrée. Je l'avais déjà pas vu qu'elle était carrée à la base. Ça, c'est le donjon médiéval. 100 mètres carrés de surface habitable. On est là. Petite coursive. Et là au fond, c'est cette pustule vérolée qui est balle. Et à côté de ça, t'as le lourd Moyen-Âge comme certain. Alors ici, là, il y a un truc médiéval de fou. Vous voyez ? Avec des échelles médiévales. Putain, incroyable, hein ? Bien préservé les trucs. Hein. Ah. Oula, mais il y a un monsieur là. Regardez, il y a un monsieur. Mais dites donc, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous aussi, vous êtes venu visiter tout? C'est chaud. Il y a des trappes. Je veux pas savoir ce qu'il y a en dessous, parce qu'à mon avis, la chute doit être un peu raide. Ok, comment il s'appelait, lui? Voilà, vous ferez pause, vous lirez. Ah, il s'appelait Bernard Duverger. Déjà, quand t'as un nom comme ça... Ça, c'est du mur, hein, les gars. Allez voir là-bas. Ça c'est de la taille de mur. La vache. C'est de la taille de mur. Alors attendez, j'ai juste passé le petit escalier là parce que je croisais des gens. On rentre dans un truc.
Donc une grande pièce avec des... fenêtres inclinées. Tu crois qu'on tirait au canon, là? Sans déconner. Incliné comme ça? Oh, d'accord. Un escalier en bois. Oh putain. Allez, c'est parti. Hop. Putain, dire qu'on est dans ce machin là, dans cet énorme truc, on est en plein milieu là. C'est dingue. Oh la vache. Ouh. Jolie meurtrière. En forme de thermomètre. Oui, c'est une typologie officielle, oui, la forme de thermomètre. Oh là là, regardez-moi cet encadrement de porte, quoi. Sans déconner, je veux le même chez moi. Là, on est encore pas tout à fait au sommet. De Dieu. Ah ouais, oula. Alors pour moi qui ai un peu le vertige, mais pas que je regarde en bas, là. Mais la vue est à couper le souffle. Oh, ça merde. Je me barre parce que... Oui, j'ai le vertige. Allez, on grimpe encore un peu. Oh la vache. Et là, on est au sommet de ce qui reste. Oh là là, ce paysage de carte postale, quand on se croirait vraiment dans un... sur un fond d'écran, t'sais. Oui, je sais que je vous saoule avec mes intros vlog. J'en ai rien à péter. Regardez des vieilles pierres. C'est mieux. Et dire que ça, là, ça, c'est le plafond de l'étage d'en dessous. Il y a des gadins. Ah, c'est dingue, ça. Et là, il n'y a pas le drapeau. C'est un peu moyen, je trouve. Bon bah écoutez, moi je vais redescendre. Et je vais redescendre, attendez voir, est-ce qu'on la voit d'ici? Alors là, là, j'ai contourné là-bas, tac 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 tac. Ah si, je vois, attendez. Là, je suis garé derrière ce bâtiment là. Ça... La redescente va être un peu longue. Bon bah écoutez, j'ai été content de venir. Regardez-moi ça, de la bonne grosse forêt là, bien médiévale, putain, c'est beau. Il y a du chêne là partout, putain, qu'est-ce que c'est cool. Avec du gros caillou bien violent, mettez-moi ça à l'épaisseur du mur. Allez, on va redescendre, on va rentrer à la maison. Et puis bah, bonne vidéo.